Si la personne n'arrive pas à satisfaire tes besoins, c'est pas la peine. Bonjour madame. Comment tu vas? Ça va, je vais bien chez vous. Ça va bien, merci. Ce matin, j'ai une petite question pour toi. Oui. La question est la suivante. On dit dans une relation amoureuse, est-ce que l'âge compte? Bon, selon moi, l'âge ne compte pas parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah bon? Déjà, si la personne est mature, la personne s'occupe de toi, tu penses que c'est déjà bon? Bon, c'est tout ce que moi, je peux dire. L'âge ne compte pas, effectivement. Parce que tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, tu veux dire que non, vous avez même âge, vous avez même âge. Ou bien la personne âgée que toi, si la personne n'arrive pas à satisfaire tes besoins, c'est pas la peine. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui sortent avec des vieux, ils pensent que non, c'est une mauvaise chose. C'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur choix. C'est pas, ils ont décidé d'être avec cette personne. Parce que si tu décides d'être avec quelqu'un qui a le même âge que toi, la personne ne te respecte pas, il te bafoue. Tu vois, non, ça c'est pas. Tu n'as pas la paix du cœur, c'est pas une relation. Donc il faut être avec quelqu'un qui prend soin de toi, qui te respecte, qui te donne la paix du cœur. D'accord. Tout ce que tu veux. Ah, ok. Selon toi, quel est le cas d'âge normal? L'état d'âge, bon. Peut-être la personne, l'état d'âge, car la personne peut avoir 35 et puis 40, 35 comme ça. 40, 35. Voilà. Ah, d'accord. En tout cas, déjà, il est mature. Il est un peu qu'il est mature. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si un jeune de 18 ans qu'il est mature, il te dit qu'il te veut, tu vas accepter. Oui. Tu vas accepter. En tout cas, s'il est mature déjà, si il a tous les critères que moi je veux, il accepte. D'accord. Ok, si ça c'est dire, bonne journée, merci. Merci, bonne journée à vous.